est parti. Synchro caméra. En casque, je t'entends pas. Et ton casque. J'avais fait une photo. Le gasoil de Foxtrot Tango prêt au point d'attente 26 durant. Foxtrot Tango maintenant au point d'attente. C'est bon, j'ai fait. Je maintiens au point d'attente 26 heures et je veille la tour 118 et 26, Foxtrot Tango. Catalogue. Alors LFPL, c'est pas là. Yes, machin, claque. Ok. Regardez-vous. On s'attache. Alors aujourd'hui un départ un peu dynamique. Et c'est radio intérieur, c'est bon pour moi. On va attendre la fréquence externe. Voilà, ça m'entend, ça m'entend. Ouais, Mickaël, Jean-Luc. Et je vous entends. Il est avec nous. Lonnie Ground from Fox Golf Mike X-Ray, Oscar, good morning. Logic Oscar, Lonnie Ground, good morning. Fox Golf Mike X-Ray, Oscar, Aero Bandy Arthur, 403 people on board upon said eloquent request VFR flight with flight plan, destination Namur in Belgium, Echo Bravo Nike, November Mike, and request taxiing. Foxtrot Oscar, Roger, I have your flight plan, but it's for 1030 UTC time. Right now it is 0838 UTC time. Oh, sorry, my bad. Can we change it to activate it at now, please? It's V for flight plan, so it should be no problem. Squawk 3720, taxi holding point runway 26 concrete, report ready. Squawking 3720, taxiing runway 26, and thank you to activate our flight plan. Ah, je me suis trompé. J'ai donné local au lieu de l'ETC. Bon, c'est précipité, on avait deux heures. Ouais, je t'ai dit. je t'avais dit notre plan de vol à 8h30, c'était à 9h30. Bon, donc au niveau de l'audio, on est OK. Alors ça c'est bon.
Lundi Sol du Fox Golf November Alpha, bonjour. November Alpha, Lundi Sol, bonjour. Bonjour Fox November Alpha, Robin BR 400, une personne à bord au parking Sadi Le Coin. Ce serait pour rouler aux pompes dans un premier temps et ensuite un vol local. Bon, j'ai l'information, bravo. Fox November Alpha, roulez quitter aux pompes. Je vais rouler, j'ai quitté aux pompes, Fox November Alpha. Ah, tu vois, avec la précipitation, j'ai pas pris la piste. On va l'écouter. Je l'ai pris quand je suis allé à la pompe, mais là, on va commencer par la piste. Au 320 degrés, visibilité 10 km, température 17, GNH unité 0, unité 3, coucher du soleil 19h54, UTC, informé l'ONU, premier contact, vous avez reçu information, bravo, merci. Good day, this is l'information, bravo, record date 0800 UTC, runway news to 6, caution bird hazard, wind 280 degrees, 6 knots, variable between 260 degrees, entry 20 degrees, visibility 10 km, température 17, GNH 1013, sunset 19 54 UTC, inform line initial. Ok, maintenant les essais moteurs, relais de données dans l'axe, pression, température d'huile dans le vert, pression d'essence dans le vert. Il n'y a personne derrière, je vais mettre 2000 tours. On prend hop. Gauche, on perd 50 tours, poste j'ai 2000. Hello, une seule du Fox Room India, bonjour. Room India, bonjour. Fox Hotel Alpha Room India, 6972 de parking, 4 personnes à bord. Pour un vol local avec bravo, non, on est prêt à rouler. Ça, ouais, c'est bon. On est juste au début. Room India, transpondeur 3721, roulez point d'attente, 26, du rappel est prêt. Je ne mets pas dans l'école parce qu'il fait du bruit, c'est long. 3726 durant, rappel prêt, Fox Room India. Checklist avant décollage, serrage de frein, que de parc, maintenant le contact, maintenant le contact. Fox Golf, Golf Québec Uniforme, bonjour. Québec Uniforme, Manu Sol, bonjour. Fox Québec Uniforme, Inter 400, parti de Paris-Est. Une personne à bord, vous pouvez faire un vol local, négocier l'information, bravo. S'adresser à rive verticale terrain France, vous reportez au point novembre. Donc, là sur notre. Fox Québec Uniforme, 3327, roulez point d'attente, 26, je parle des frais, hectopascal, 1013, 1016, 2 hectopascal. Et je rappelle le point d'attente, 1026, sur Fox Québec Uniforme. Et dans le bon sens. Compensateur sur neutre, ceinture attachée à gauche, attachée à droite et attachée derrière. La pompe électrique sur on, ça est en place. Et le sol du Fox, Delta Papa, bonjour. C'est verrouillé. Delta Papa, bonjour. Bonjour, je suis Fox Alpha Delta Papa Paris Hero, des personnes à bord, des R400, information bravo, ça sera pour un vol local, s'il vous plaît. Donc, on va s'aligner sur la piste 26. C'est passage à un Robin qui sort de Tango Unité pour le point d'attente. Aligné, je les récap, 262, je retasse la rue. 23, je laisse passer un Robin sur Tango et pour le point d'attente. À 700 pqnh, je rentre les volets et je cherche 85 nœuds. Premier virage à droite, je vais monter en 1500 en direction Paris-Cours. En cas de panne ou alarme avant 54 nœuds, je réduis, je freine, je sors. En cas de panne mineure après rotation, je ferai un circuit adapté main droite pour venir sur la piste 26. On a le choix entre gazonner et bon gazonner ou dur. En cas de panne moteur après de rotation, je cherche la vitesse de finesse max qui est 81 nœuds. Donc je vais mettre dans un premier temps 1500 et le ding. Je vais mettre 262. Après, hop, ça c'est le monté initial. Et pour première route vers Utella, ça sera 67. Ok. Oui, moi j'avais fait une route sur Coulommiers et ensuite on monte au nord. Ok, tu me dis, c'est pareil. Ok, tu me dis. X-ray Oscar holding short point runway 26 and we are ready. X-ray Oscar hold short point, monitor tower 118 decimal 6. Holding short point and we monitor 118 decimal 6, X-ray Oscar, thank you.
gazonné. Fox 6-3 Oscar, Lone Tower, good day, line up and wait, the runway 26 concrete. Lining up and wait, X-ray Oscar, runway 26 concrete. Donc on a un décollage. Runway 26 concrete, clear for takeoff, wind 310 degrees, 5 knots, traffic Robin, short final runway crest runway. Clear to takeoff, runway 26 concrete, X-ray Oscar. Donc 2200 tours. Le kilogramme de trafic Robin au départ de l'Odur, en montée vers 1500 pieds. Le kilogramme est actif. 54 nœuds. Rotation. Je laisse accélérer, je prends de la vitesse et je monte. Puissance disponible, instrument dans le vert, wind dans le vert, pression d'essence dans le vert, j'ai de la vitesse. Bonjour, alignez vos pistes 26 sur autorisé décollage, vent 280 degrés, 5 nœuds. Bonjour India, bonjour, autorisé alignement décollage, piste 26 sur. Bon, ben heureusement qu'il a dit qu'on avait 10 km de visibilité, sinon il faut voir un doute. Hein. On verra, ça c'est bon. Oui. Ah, le retour, on verra, on retourne. Voilà, c'est bon. Allez, ben, ça fait déjà un mois qu'on n'a pas volé, Jean-Luc. Hein. Ah ouais, ça va vite. Ouais, j'ai l'impression que ça fait une éternité, moi. Bizarre, ça. Ça va, Johan? Très bien. Parfait. Bon, donc, ça veut dire... On était 40, ça fait 1h20, à midi on devrait se poser. Pas bien. Donc on est dans les temps, on trouve bien. On est dans une heure à peu près sur les frontières. À peu près, ouais. Ça, c'est ce qu'il m'a demandé. Fox Kilopapa en intérieur pour la 26 gazonnée. Fox Kilopapa numéro 1, rappelez final, c'est 26 gazonnée. 33. Numéro 1, rappel final. Fox Kilopapa numéro 1, rappel final gazonnée. 27. 57. Fox Delta Papa Lonio Tour, bonjour, alignez vos pistes 26 sur, autorisé décollage, vent 280 degrés 5 nœuds. On s'aligne en décolle, Fox Delta Papa, bonjour. 26 heures, pardon. Après on a 30 nautiques. La Tower, Fox Oscar, Oscar Delta, good day. Fox Oscar Delta, Lone Tower, good day. Fox Oscar Delta, DD 22, person on board from Oxfair, at 2 minutes from Eco Point, 1200. Oscar Delta, Squawker 3730, report Eco Point. Ça me fait bizarre de voir le caméscope dans les mains. Oh, and we'll report Eco Point, Oscar Delta. Fox X-ray Oscar, transmonte. Fox X-ray Oscar, Squawk 7000, les frequency, and see you later. Do you come back to Lone today?
squawking 7000, and after we come back in the late afternoon. X-ray Oscar. Roger, X-ray Oscar. On a dit 125. Alors attends, on va passer à proximité de Coulomb. Oui, mais je prépare la fréquence. 126 unités. Bravo, good morning, Bernie Fox, you're online. Je vais voir, ils vont vous pas. La fréquence. On reste en fréquence, le temps de s'organiser ça. Donc là, bon, on prend le bord de Coulommiers et ensuite une route au 023. Donc je vais contacter Coulommiers avant. Ouais. Coulommiers de Fox Novembre Québec en sortie de zone par l'ouest pour un retour en direction de l'Ouest. Bonne journée à tous. Merci, bon vol. Alors tiens, on a les landeurs. J'avais été moi à Disneyland. Et je suis pas prêt d'y aller a priori. Bon donc, direction Namur, Echo Bravo November Mike, donc en Belgique. Hein. Premier vol ensemble, on s'en. Coulommiers, Fox Delta Tango, 20 arrière, 27 ULM. Donc c'est pour ça que Johan fait leur, la phrase en anglais. Coulommiers, Fox Delta Tango, base 27 ULM. Donc on a quelques-uns tout petits, pas haut. 2000 pieds. Bon, Jean-Luc, on a besoin de ta montre. Ah, ouais, donc un départ à 10h40 pour moi. Ouais. Je peux te mettre, s'il te plaît, 20 minutes. 20 minutes, ouais. Ok, d'accord. Coulommiers droit devant. Ouais. Je passe. Coulommiers, Fox Delta Tango, on est à 27 ULM. Ok, 20 minutes. 20 minutes, il est 48. 48 ? Ouais. Ben donc il est 53. Donc 20 minutes, ça fait 13. Coulommiers de Fox Golf Mike, extrait Oscar, bonjour. Coulommiers de Fox Golf Mike, extrait Oscar, pardon. Un Robin d'Air 400, 3 personnes à bord, en provenance de Londres à destination Belgique, en transit 1500 pieds au nord de vos installations, dans 1 minute 50. Ah, on peut pas faire anglais en auto-information. Donc Jean-Luc, qu'est-ce que tu pourrais dire à Florian? Décollage 10h40, arrivé vers midi. Je lui ai dit 10h45, mais rectifié. Pas grave, non, non, arrivé vers midi à peu près. Arrivé vers midi, d'accord, ouais. Ok. Là, on va voir en fonction du vent réel qu'on a là. Là, pour le moment, le vent est avantageux pour nous. Ouais. On devrait l'avoir gauche normalement. Ok, donc la donc la première route, ça sera 023 quand il est vertical du vent. Hein. On voit personne dans le circuit ni au sol.
Oscar, on monte arrière, ENM vent arrière. La Colombie de X-ray Oscar, vertical vers 1500 pieds, on transite en continu vers l'est. Ça passe des GN pour le trafic en X. Allez hop, 023. J'ai des GN sur le LM en vent arrière, X-ray Oscar, on est bien à 1500 pieds, vertical vent. Allez, c'est bon. 023, Yoann. Ah, 023. Ben alors, la route. La route? Ouais, maintenant. T'es sûr? Ah ouais, ouais, je suis sûr. Moi, le GPS, il dit pas encore. Cool, mais sur ce, c'est pas grave. Enfin, ça, c'est toi. On est là. Oh, pas là. Ah, mais c'est qu'on était pas sur la verticale, alors. Ouais, je vais tricher un peu. Ok. Ah oui, ils sont circulés, les vlogs. Ah, c'est bon, ça va y aller. Ça, c'est sur level 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5. Donc on va choper un petit village, celui qu'on chope d'habitude. Alors normalement, voilà. Il y a 27 nautiques, on est à combien? Moi je prends le mieux pour que tu te au final de 27 minutes. 13 minutes. Et 51, ça fait un 0,4. Ah ouais, là c'est... Et moi je pense que le 126.1 vont nous virer rapidement. Ils vont nous demander de passer 125.7. Ça dépend s'il est actif. 119.8 d'abord. On va voir qu'est-ce qu'ils vont dire, mais pour moi ils vont demander à 125.7, on verra. Ouais. Selon, il y en a dimanche en fait, donc ça va être bien. Colombier d'X-ray Oscar en sortie 1500 pieds, on continue vers le nord-est en transit. Je dis ma fréquence, bonjour. Merci, bon vol. Merci, au revoir. Sinon, on attend, ouais, enfin, ça, ah, fait 5, ça fait 5 minutes avec eux, 5-7 minutes. Ah, on va demander en un. Entraînement de radio. Paris information from Fox Golf Mike X-ray Oscar, good day. Correction d'altitude, pardon, je redescends un peu. Paris information from Fox Golf Mike X-ray Oscar, good morning. Fox Golf Mike X-ray Oscar, Robin DR400, Sea Purple on board, VFR flight with flight plan, departure from Lonia destination, Namur in Belgium, Echo Bravo, November Mike, for traffic information. Fox Foxtrot Golf Delta X-ray Oscar, Cooking 7021. Squawking 702 and correction, it's Fox Golf Mike X-ray Oscar. Fox Golf Mike X-ray Oscar, for your information, I've not your flight plan. For me, no flight plan. It was activated with Lonia 10 minutes ago. No destination for me. Okay, can you, what we can do now? Can you activate a new flight plan for us, please? I don't know, I've not your flight plan. On va voir avec Beauvais sinon. Ok, Roger. On va pas l'embêter sur les 7 information, Golf, X-ray Lima, Tango Golf. Donc on a la Ferté-Sous-Jouarre à droite. Golf Tango Golf, c'est information 118.890, 118.890. Peut-être parce qu'il est dans le sud, et dans le plan de vol que j'ai donné, j'ai pas mis qu'on passe par ici. Ah, peut-être. Il leur a donné comme quoi? Directement le LFAF. Ah oui, d'accord.
de ça, tu l'as donné en verbal. Oui. Au téléphone, après Lorne, il a. Ouais. Lorne a dit qu'il a, il a. Oui, je me suis trompé à l'heure, mais il a dit qu'il a activé. Bon, on a une bonne visibilité. En fait, c'était les nuages avec le soleil de face qui nous... Ouais. Donc là, on peut déjà monter... Non, on est tranquille, là. Ah, on peut monter 2000. Alors là, pour moi, l'altitude, c'est 2002, là. On peut monter 2002. Donc, il faudra que tu te mettes légèrement à gauche du trait pour qu'on puisse voir le patelin quand ce sera l'heure. C'est devenu un point VFR pour moi. Comment? Le patelin qu'on va survoler. Ah, c'est un point VFR. Il est carrément intégré dans, dans les VFR. Hier, tu sais, je prends le truc, le point qui était sur 60. Je le rapproche de là où je sais être le truc, et il m'a dit bon, ça que tu veux? J'ai dit ouais. Donc on a... Il y a un château de Thierry quelque part sur la droite. Un petit peu plus loin quand même là-bas. On est bien dans une zone 2200. Hein. Oui, oui, oui. Là on est 2005 là. Oui, mais on peut 2200, c'est bon. Oui, 2200, c'est bon. En fait, le seul moment qui était un peu litigieux, c'était là. Mais comme tu t'es déporté, hein, on est passé à côté. Avion dessous devant nous là. Hein. On est, c'est bon, on est 400 pieds au-dessus. Pas évident. Ah, il va passer à gauche. Merci Paris Info pour l'information. Alors, à gauche. Voilà. Il est vachement bas lui. Non, non, il est à l'altitude de retour en fait. D'accord. 1200. Alors, j'arrive jamais à me rappeler. On fera tes zooms. Ah oui, tu veux voir quand? Non. Je vais zoomer. En haut, tu te dézoomes pour voir plus loin. Et si tu vas plus proche, tes zooms. Bon, donc là, c'était bien un dézoom. Ok, plus on a d'infos, plus on est zoomé. Ok. En 3 minutes, un petit patelin. Donc ouais, mets-toi légèrement sur la gauche du trait, s'il te plaît. Là, il y a un village, donc je vais... Voilà. Ça doit être quelque chose qui est devant nous, là. Mais c'est dans 3 minutes, hein, donc... Donc là, on est quelque part ici. Oui, sur Ourcq. Ouais. On est d'accord. Donc on est quelque part ici.
X-ray Oscar, parti de Paris. X-ray Oscar. X-ray Oscar, vous pouvez afficher le transpondeur 7000 et contacter Beauvais Information, fréquence 119 décimal 8. 119 décimal 8, X-ray Oscar. Bon vol, monsieur, au revoir. Merci, au revoir. On était en anglais? Oui. Okay. Beauvais Information from Fox Golf Mike, X-ray Oscar, good morning. Fox Golf Mike, X-ray Oscar, bonjour. Fox Golf Mike, X-ray Oscar, Aeroban DR400, see people on board, AVFR flight, with the flight plan from Lonnie, destination Namur in Belgium, Echo Bravo November Mike, for traffic information. Fox X-ray Oscar, bonjour, Squawk 37-40, QNH 1012. Repeat Squawk, the Squawk. 3740 3740 squawking, Oscar. Carab 226 on track. Approaching 3000 on Edward. Carab 226, bonjour, continue climb 70, you're identified. Identify, climb 70, Oscar, 26. Dr. X-ray Oscar, transmit is approved, report for you check. I think approved. Sorry, can you repeat this, X-ray Oscar? You are identified, sir, and report for you, check. Thank you, undefined, X-ray Oscar. May you confirm if our flight plan is activated, please? I'll try to check that. Thank you, X-ray Oscar. What time did you depart from Lodi? 20 minutes ago.0840 5 UTC, 0 8 4 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 5 UTC, 0 8 4
Je vais un peu à gauche. Et Beauvais Info, pardon, Airpol 75 Alpha, bonjour. Airpol 75 Alpha, bonjour. Bonjour madame, Airpol 75 Alpha, Cessna 206, Fox Hotel, Fox Papa Yvan. On est deux personnes à bord, en provenance de Lille, à destination de Melun. Actuellement, on est à 3000 pieds, QNH 1011, et on transponde 440 unités, et ce serait pour un suivi de vol, s'il vous plaît. Airpol 75 Alpha, vous êtes identifié, gardez le transpondeur, le dernier QNH 1012, et rappelez en cas de besoin ou en tout temps la zone. Eh bien, 1012 au QNH, on garde le transpondeur et on rappelle en quittant la zone 75 Alpha, merci. J'ai un doute, mais on n'est pas passé loin de toute façon. Ok, c'est bon. Donc là, tu peux viser... Tu vois la partie en haut qu'on a à droite, là. Ouais. À nos 2 heures. Ouais. Tu peux viser dessus. En fait, on passe à l'est. Non, Philippe n'est pas encore rentré. Sinon, il y avait Philippe aussi, mais qui est par là, mais il n'est pas encore là. Il y a Jean-Luc à Paris, on ne va pas aller le voir aussi. Jean-Luc. Ça serait une bonne idée si vous pouviez passer au-dessus de chez moi. Ça pourrait être sympa. Ah avec ouais. Toi dans l'avion ou toi dans l'avion? Non, moi je préférerais être en bas. Je me mettrais sur ma terrasse, je ferais des grands signes. Il faut simplement que vous caliez votre arrivée avec le rafale qui va vous intercepter. On parle des JO. Ouais. Top. On était peut-être un poil à côté. Je suis pas sûr d'avoir reconnu ce que je cherchais là. Top dans 1 minute. Ok. Donc. On a 60 à gauche. Le terrain il est quelque part à gauche là-bas. Non c'est pas ça. Si c'est ça le terrain, il est juste en boulette là. Oui. Quel sort de terrain? Non attends, le boulette il est où là? Voilà, ça c'est le terrain. Donc 60 ville. 20 minutes terminées. Ok, on peut on et à gauche. On peut off, j'ai la pression, encore 20 minutes s'il te plaît. Ok. Et après on te laissera tranquille jusqu'au retour. Non mais, m'embête pas. 0-8. Un pilote récemment sur un avion, pas celui-ci, sur un autre avec même configuration. Il a mis le réservoir et en me discutant un peu de vol, il a oublié de changer. Jusqu'à mon tel quand le commandeur commence à s'arrêter. Qui devrait passer derrière vous. Il est détecté d'OVS qui est 300 pieds haut. Il est pour le moment dans votre secteur 2 heures pour 6 nautiques. Oui, c'est bien reçu. On n'a pas de visuel pour le moment. Le trafic en question fait route vers le nord-est. Ça va être long. C'est reçu, merci. Je refais une info dans un instant. Et donc jusqu'à que le moteur a commencé à ratouiller, à rappeler et changer de réservoir rapidement. Bon. Et, ah oui, c'est dangereux. Quand traffic information, the traffic is in your left-hand side for 4 miles. It is decoded 100 feet above your altitude and will be doing left to right. You're crossing this aircraft in 2 minutes. Roger, we don't have traffic in sight for the moment and we keep altitude 2400 feet, Sayoska.
Voilà, ça passe en anglais. Et l'info Foder Polo 75 Alpha, on souhaitera descendre vers 2500. Donc là, tu laisses la route à ta gauche. La descente 2500, c'est pas trop vert, Paul. Bien, après, merci. Trafic stable 400 PO, a priori. C'est bien reçu, merci. Ça, c'est quoi? C'est la 4 ou pas? Non, non, c'est juste... Trafic in the 3 miles on your left-hand side. Vous êtes north-east. Est-ce que tu arrives à voir ce trafic? Il est un peu plus bas. Bon, on doit le croiser, donc pas très bien. Yobo, vaux-tu? Je vois une tache à gauche. Il est en train de passer derrière nous. Sur notre gauche. Ben, c'est pas celui-là parce qu'il était gauche-droite. Gauche-droite. 2 miles left-hand side. One of the seats below. Roger, non, enfin, c'est pas le 75 Alpha, le trafic est croisé. Ok, merci beaucoup, madame. C'est bon que c'était ce qu'a vu Jean-Luc, alors. Ouais, ouais, il est plus bas, là-bas, derrière. Donc là, tu prends à droite, là. Tu vises la route au fond, là-bas. Ok, hop, tout droit. Notre pile en axe, là. Donc nous on va passer à l'est de Londres. Traffic first car, traffic is behind you, now you have the traffic inside is 400 feet below. Thank you, it's your car. Okay. Ouais, juste derrière. On va passer. Ok, même pas vu. Over Ryanair 1-8 Juliet Zulu, descending 5,000 feet on Unit 1013, inbound to Beauvais, you are. Ryanair 1-8 Juliet Zulu, bonjour, you have a 1, for left approach runway 30, you wish vectors or set position. Ah, we have with vectors 1-8 Juliet Zulu. Continue 1-8 Juliet Zulu, turn the left 5 degrees. Left 5 degrees, 1-8 Juliet Zulu. Non, non, vas-y, volontaire cette fois. Allez, il est là, sous nos yeux. Il est passé devant là. Ouais. We have traffic inside Israel. Perfect, thank you. Ah ouais, on est en bonne position là, on est au-dessus. On doit accélérer et lui tomber sur les oreilles. Par contre, il n'était pas lui. Hein. Bon, je lui ai donné mon plan de vol, il m'a demandé les équipements. Je lui ai dit qu'on a un GPS, mais j'ai pas dit qu'on a un Pascal. Ah ouais, bah ouais. Ouais, mais ça c'est une interdiction d'entrée ça. Si tu dis que t'as un GPS, on suit pas le GPS, on suit pas. Si tu dis que t'as un Pascal, il te refuse d'entrer en Belgique. Il lui dit que t'as un PMP, si tu lui dis Pascal, il s'en fout. Il est assez rapide hein, quand même. Et c'est un Cirrus quand tu dis, ouais. Bon. Donc, à l'est de Londres, et d'ailleurs on a une vue intéressante sur Londres, donc on va en profiter. Et du bon côté cette fois, on va voir un ancien terrain. Je sais pas comment ça se dit, ATHIATIER. Un ancien terrain militaire. Parce qu'il se souvient, Jean-Luc, on avait vu Couvron quand on avait fait le vol à Valenciennes. Ouais. Bon, là c'est l'équivalent, mais de l'autre côté. D'accord. Donc il doit être devant... 3,000 feet, Ryanair 1-8 Juliet Zulu. Juliet Zulu, in the event of a approach, it will be 3,000 feet runway track. 3,000 feet runway track, Ryanair 1-8 Juliet Zulu. On bosse vers. Ça c'est encore le plein, ça c'est le plein, et ça reste la moitié. Et là c'est un gauche. C'est bon. Juliet Zulu, on descending, you are intercepting 6 miles by now, do you wish to degree to the left? Non. No, we are just descending to intercept Ryanair 1-8 Juliet Zulu. Je le vois là-bas. Ça fait une espèce de... Tu vois la forêt qu'il y a derrière là? Donc là t'as la ville, t'as des champs verts. Derrière t'as une espèce de zone un peu bleuâtre. Juste avant une forêt verte, dense. Je pense que le terrain en question il est là. Le flanc des panneaux solaires maintenant. Donc la ville qui est devant moi, j'ai piégé par la droite. Tu mets 15 degrés à droite, je pense qu'on va y passer dessus.
Ouais, j'ai pas mis l'an dans le circuit là, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Patrick Victor Bravo, bonjour. Ouais, je pense que c'est ce truc qu'on voit là. Patrick Victor Bravo, bonjour. Est-ce que de toute manière, on prend bien temps, on va arriver à la... Bravo, en plus, on a deux personnes à bord, nous nous tenons vers vos antennes. On prend bien temps quoi ? On arrive à la zone de l'île Info. L'île Info... Alors attends, là, faut que je prenne notre carte. Presque. Alors, l'info 60. Ça sera. Oh là, ça sera juste après, dans 2 minutes, 3 minutes max. Non, j'ai des conneries, c'est pas l'info là, ça sera. Ça sera un retour au plaisir en passant. Non, ça sera Paris Info. Paris non ? Paris non, ouais. Bien reçu, Victor Bravo. Ah, d'abord, on va basculer à gauche. Oh, tu merci beaucoup. À quel endroit on va aller à gauche ? Bon, en tout cas, le c'est bien ce que je te disais, c'est ça là. Donc tu vois, regarde, on arrive à Thiès là. On va sortir de Beauvais Info. Non, on est en vertical. La... Non, là. Il est où le terrain? Voilà. Ah là, c'est ces trucs là. Juste devant nous là. C'est celui de Gazonnet. Donc là, c'est à Thiès. L'ancien terrain militaire. On a la jolie ligne de Lens. Oui, c'est ça, Lens. Après la forêt, je vois pas encore. Non, c'est avant la forêt à gauche. Et gros bleu qu'on a. Airfall 75 Alpha. Non, à droite. Descente vers 1500 pieds. Approuvé Airfall 75 Alpha. Regarde, non, à gauche, c'est vrai. Bon, c'est... Plus le terrain, c'est ça. Il est plus utilisé. C'est ça, il est plus utilisé. Maintenant, on fait plus sur la carte. Tu l'aurais pas trouvé dans le GPS. Non, mais je l'ai pas marqué. Ça dit 2000 approach N830 Rainier 1832. Voilà. Hôtel Unifor. Et Hôtel Unifor de ce train, je vais essayer de retour en Q3. Retour en gain. Ok. Non, il n'est pas. Ah ben on l'aura pas. Non. Le terrain de... ça s'appelle comment le terrain qui est en sud de... Oscar, you're about to leave the area 7000 on the Crockett contact. Paris information 1257, au revoir. Squawking 7000 and 1257 for Paris information. X-ray Oscar, thank you for your service, over now. Okay, bye-bye. Paris Information from Fox Golf Mike X-ray Oscar, good morning. Fox Golf Mike X-ray Oscar, Paris Information, good morning. Good morning, sir. The Fox Golf Mike X-ray Oscar, Aerobandi R400, three people on board. From Logne to Namur in Belgium, Echo Bravo November Mike, VFR flight with flight plan for traffic information. Adjunct, please, squawk 7021. Squawking 7021, X-ray Oscar. Lorraine, c'est quoi le code de Paris Info d'Airpol 75 Alpha? Je ne me rappelle pas, je vais te le donner tout à l'heure. Fox Oscar, il y a un radar à Airflight. Airpol 75 Alpha Paris, bonjour. Bonjour monsieur, Airpol 75 Alpha, Cessna 206, Fox Hotel Fox, Papa Unifor, deux personnes à bord, provenance C, destination Melun. Alors. Et on a le 440 unité d'affiché, c'est pour un suivi de vol s'il vous plaît, actuellement 1500 pieds, QNH 1012. Passez-moi le transpondeur à nouveau s'il vous plaît.
Alors c'est le 4401 ET. Dans Fox Sierra. Dessus, c'est un transpondeur opérationnel que vous voulez conserver. On peut changer si vous voulez. J'ai mis le point sud de 70 unité. De Charlie India, donc c'est EBCI, Charlie India. 0 unité d'affichée 75 alpha. Merci monsieur. Vous êtes identifié radar. C'est bien, on a pris, merci. Ah là, c'est bon. Pareil info, Fox Kilo Hotel pour quitter, passer avec Saint-Cyr. Ok. Fox Kilo Hotel, vous pouvez quitter, passer avec Saint-Cyr, le transpondeur 7000, bonne fin de journée. Donc maintenant on peut faire une directe et tout sur LSQG. Yes, Echo Whiskey, Fox Foxtango, we are about 5 minutes to the south of Sierra, report to point 426. Donc tu peux le choisir et en direct tout so, Delta, il enlève le reste non 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 je pense vas-y il information 119 at Fox 3 and VFR Cork. Thank you, bye 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 sir. Le directo c'est ça mais tu mets un aéroport et il enlève tout le reste. Ah oui, c'est pas grave. Ah oui, avant, il va le déroutement. Transpondeur 7000. Non, ce que tu fais là maintenant... Vas-y, mets-toi à droite. Foxtrot, X-ray Zulu. 30 degrés droite, et on va voir le sud. On sera en direct X-ray Zulu, vous ferez attention, vous avez un appareil qui fait des évolutions un peu comme vous, mais en sens inverse. Il est pour l'instant un nautique derrière vous, et ça fait deux fois que vous faites des virages. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Ok, c'est bien pris. C'est bien pris. On va encore un copain. Non, c'est pas ça, c'est qu'on va intercepter juste avant. On va l'intercepter avant d'arriver. Vous avez un trafic droit devant, droite, gauche, trois nautiques en rapprochement assez rapide qui passe votre niveau maintenant en descente. Et en descente, et on est vers 3400 pieds ce côté. Donc là, on y est passé, j'ai pas vu l'heure, c'était 10 heures. Trois nautiques avec une route légèrement convergente, 800 pieds bas. Je crois que c'est pour le deuxième trafic. Paris Info de Poste-Côte-Juliette, Québec Kilo. 5 minutes. 5 Québec Kilo Paris, je vous rappelle. Je fais signe de toute façon. Ok, merci. En gendarmerie 93-71. De toute façon, on peut faire encore une bascule gauche. Eh bien, 93-71. Moi, ce que je pensais, on fait 20 minutes à l'aile de chaque côté. Là-bas, on fait le bleu plat que le principal. Et retour, pareil, tout est 20 minutes chaque côté. Enfin, on est large. D'accord. Ça va? Ouais. On fait que le principal là-bas. Québec, Kilo, première information, je vous écoute. Un Air 400 de personnes à bord en provenance de l'homme en destination de Soissons, actuellement à 1500 pieds, à 2 minutes à l'est du point Echo. Demande suivi de vol. Fox Québec Kilo, prenez le transpondeur 70-17, 70 unité 7. 70-17 au transpondeur, Fox Québec Kilo. Donc on est déjà vu Québec Uniforme. Quand on allait plutôt sur, par là-bas, quand on allait sur Valenciennes. On était déjà passé, mais plus à l'est pour aller à Charleville. On avait une ensemble à Charleville, vas-y. C'était un joli terrain, Charleville, vas-y. Je me rappelle que ça va, c'est un joli vol. Fox, Roméo Tango, Paris, rebonjour monsieur, je vous écoute. Bravo, Papa Roméo Tango, un VR-220-CRX, personne à bord en provenance de Chartres, à destination de Saint-Cyr pour info et suivi de vol. Roméo Tango 70-04 au transpondeur, s'il vous plaît. 70-04 au transpondeur. Là, oui, 1005 TC. Arrivé à 1005 TC. Ouais. À 1005 local, non. Oula. Et Paris Info de 75 Alpha Paris pour Radio Check. Ça on passe avec Paris. Dans 7 minutes c'est ça, on arrive à l'île Info. Ouais. 75 Alpha de Paris, c'est bien noté, vous passez sur Paris Sud, 126 unités. On passe avec Paris Sud, 126 unités, 75 Alpha. Bon ben même devant là c'est moyen. A tout de suite. Et
Paris, information d'Airpol 75 Alpha, on est sur la fréquence avec vous. Eh bien, alors, merci beaucoup, on va garder celle-ci. C'est bien pris, merci. Vous disiez quoi, Pascal? Moi, j'ai rien dit. Fox Québec Kilo, Paris, pouvez-vous me faire un update de votre position? Je ne vois pas radar. On est dans la zone des éoliennes. 3 minutes à l'est du péage des îles. Fox Québec Kilo. On va voir une ligne de chemin de fer sur la gauche. Ça ne parle pas. Alors, je suis à 3 minutes au sud de Fox. Ah, bah tout de suite, c'est beaucoup plus parlant. C'est bon, vous êtes identifié radar, madame. Merci, monsieur. Fox Québec Kilo. Alors attention, vous avez un... Oh, je te le dis, il reste 2 minutes. Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame, à la radio, par rapport à vous? Pied haut, qui fait des évolutions, entraînement, virage. Elle était à 2 minutes, au sud de Beaune. Avant, elle a dit quelque chose, il n'a pas compris, après elle a répondu. Elle lui a donné une référence par rapport à un péage. Alors, j'ai pas... Et le mec a dit, moi je comprends pas, je sais pas. Ça va être en Pascal. Le premier trafic est maintenant de nautique, droit devant, 1400 pieds en légère montée. D'ailleurs, là, on parle des champs de panneaux solaires. Je suis à 3 minutes au sud de chez Paul. On est dans une minute et demie. Chez qui? Paul? Non, il n'y a pas de Paul ici. Oui, 76 à 100, écoute. Regardez, Jean-Luc Courbet, il m'a vu. Mais bon, on va un peu. Un appareil qui fait des évolutions brutales en altitude et en virage. Mais il y avait une immeuble un peu plus loin là-bas. C'est sûr? Ah bah ouais, mais il est trop loin. Qui est à beau, 1h05. On fait la tournée des copains, ça peut être pas arrivé. Sur la fréquence avec nous. Alors là, vous avez croisé un trafic que je n'ai pas du tout, il doit pas avoir de transpondeur ou alors il l'a pas allumé. Il n'y a pas de souci, hein. Donc on devant l'œil donc pour les deux autres. Il est devant. Pareil info au gouvernement. Il est dégagé mais grassouilleux. On va faire radio check monsieur après la panne en campagne, je préfère. C'est la couche d'inversion qu'on voit là. Eh bien X-Ray Zulu, le transpondeur 7000, vous quittez pour Saint-Cyr, bonne fin de vol et bonne journée, au revoir. Alors l'altitude de sécurité ici, elle est de 1700 pieds. Visuel sur le trafic, à midi, devant moi, ça c'est le kilo. Ben, Québec Kilo, je le note, je vous remercie. Vous avez l'Airpol qui est plein nord de votre position, de nautique et demi. Je veux qu'on monte un peu, on va voir selon le plafond devant. Là, on est à 15 minutes de la frontière, là. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on approchera Maubeuge par le sud, on restera au sud, et j'ai fait des repérages déjà de zones à identifier, tu sais, pour savoir à quel moment on franchit la frontière. Un peu plus à gauche quand même. Ah, là, 20 minutes. Et donc les dents, on va ouvrir le 75 Alpha, on se fera Paris Info, pardon, on a des visuels sur un trafic dans nos directions, on verra rien à visuel sur celui qui en passe. Il va falloir que tu descendes un peu au long. Ouais. Paris Info, Fox, ça peut être. Alors pour Airpol, excusez-moi j'étais en coordination, Airpol j'ai bien pris attention, vous avez deux trafics à vos 1h pour un nautique et demi, le premier gauche-droite, le deuxième droite-gauche, les deux entre 1200 et 1400 pieds. C'est bien, ah oui on a visuel sur les deux, 75 Alpha, merci beaucoup. Il y a une autre station qui a appelé Paris, je vous écoute. Paris Info, c'est Fox Papa Hotel qui appelle. Alors Fox Papa Hotel, vous pouvez nous quitter pour l'île Information 134-825, le transpondeur 7000. 7000 et 134, décimales, 825, merci beaucoup monsieur, bonne journée, au revoir. Donc la suivante, ça sera 126-480, avec l'île après. Paris Info du Fox Oscar au Québec, bonjour. Golf Oscar Romeo Québec, Paris Information, bonjour monsieur. Fox Romeo Québec, c'est un Vert 432 personnes à bord en provenance de Logne pour un local dans...
à l'est de Beau pour la formation vol. Alors c'est bien pris, le transpondeur 70670, unité 0, attention, il y a beaucoup de monde vers Coulombier. 70-0, 70-10, pris en compte par trafic sur Coulombier, sur le Québec. On n'a pas encore croisé de rivière, Jean-Luc, là. J'ai pas trop fait gaffe, mais non, je pense pas. Un truc assez important. Ah non, non. Airpol 75 Alpha. On écoute. Non, non. Vous avez un trafic 1h de nautique. L'aube. Altitude 1400 pieds, droite, gauche. Non, pas vu encore. On a vu 75 Alpha, merci. J'ai arrêté de les noter, j'ai plus de place sur mon strip. Ah, mais plutôt à gauche. C'est bien, là, c'est l'autoroute aujourd'hui. On va quand même aller sur le terrain de QG. Sans trop s'en éloigner. Eh bien, Fox Romeo Québec, Paris Info. Fox Romeo Québec, t'écoute. Eh bien, Romeo Québec, vous êtes identifié radar et le trafic que vous venez de croiser, qui est maintenant à vos 3h à nautique, c'est Airpol 75 Alpha sur la radio avec nous. Au groupe, pour trafic visuel, enfin, sur le trafic croisé, Fox Romeo Québec. En fait, le but du jeu, c'est de s'intégrer juste au sud de QG pour prendre la route suivante, en fait. À Paris. Oui, pour 75 Alpha, on écoute, on a visuel sur un trafic en face. Voilà, ben, y en a un deuxième, un nautique derrière. Ok, c'est bien, ensuite le premier, on passe derrière, ce qui nous fait gauche-droite, et on ouvre l'œil pour le second. Voilà, le second est 200 pieds bas par rapport à vous, c'est deux trafics qui sont sur le rail pour rentrer à l'œil. Ouais, c'est reçu, merci, on ouvre l'œil. On voit pas l'info là-dessus. Non, pas l'STS, non, mais c'est dans 11 minutes. D'accord. Ouais, ça commence à être bien drôle, hein. Et pareil, info d'Airpol 75 Alpha, donc on croise le deuxième, on a eu visuel sur les deux, merci beaucoup. Mais je vous prie, monsieur, on est là pour ça. Et à la sortie de Monin, si vous voulez, vous pouvez me recontacter.
C'est bien reçu, on va se poser sur Bola. Merci. Eh bien, bonne fin de vol, monsieur. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Paris Info Farm X-Ray Oscar, que l'Ivoire fréquence et contact les infos. Oui, la station qui a appelé Paris, je vous écoute. X-Ray Oscar, police, your frequency and contact the info. X-Ray Oscar, you spoke 7000, you may leave my frequency and contact Lille information. I wish you a pleasant flight, bye. Thank you, good day, bye. Je suis tenté au-dessus en évolution. Monsieur, pour être chérie, j'ai le Voilà. Ok, vous ne vous reposez pas à Arras, hein, c'est ça? C'était tout d'habitude et là ce sera un retour complet valentiel. Ok, donc gardez bien le visuel sur le vol 6 heures, vous me rappellerez vertical complet. Je suis actuellement vertical complet au petit saut nord et je contourne Arras pour un retour sur campe sur... Regarde à gauche Jean-Luc. Je contourne Arras pour un retour sur campe. Ah la vache. Ouais, c'est pas mais... Il y a un trou là. Ouais, il y a un gros trou. Valid information from Fox Golf Mike X-Ray Oscar, good morning. Fox Golf Mike X-Ray Oscar, Aeroban, the R400 3 people on board from Lonia destination Namur in Belgium, Echo Bravo November Mike, VFR flight with flight plan for traffic information, please. Roger, X-ray Oscar, scope 6100, Zenith 1011. Squawking 6100, QNH 1011, X-ray Oscar. L'info, Fox, Bravo, Uniforme, Roméo, Lima, bonjour. La caméra est toujours bonne sur ma tête, Jean-Luc. Bravo, Uniforme, Roméo, Lima, bonjour. Ouais. Fox, Roméo, Lima, Cessna, en provenance de Cambrai, destination de Valenciennes. Deux personnes à bord actuellement à 1600 QNH au cap 029. La route te donne l'axe de chez je vais monter à 2500 pieds. Tu peux te mettre sur la route et nous amène direct à Maubeuge. Reçu Roméo Lima, puisque 6100 au transpondeur, QNH. Maubeuge, tu dois être le truc blanc qu'on a au fond là-bas. 6100 transpondeur, QNH. C'est ça. Roméo Lima. Fox Eco Tango, contactez-moi sur 327. On va arriver, on va avoir toute la ville sur la gauche. D'accord. Donc on arrive comme ça, on suit le contournement de la ville. On va avoir une voie ferrée à gauche avec une carte de triage et la partie sud-ouest. On suit la ville, on va passer sous le terrain. Quand on verra une deuxième carte de triage dans la ville, et qu'on fera au bon moment, à ce moment-là, on sera sur la frontière. Juste de l'autre côté de la frontière, on a une espèce de carrière. L'info, Fox EcoFox, bonjour. Fox EcoFox, bonjour. Donc la route sera du 080. Deux personnes à bord. Au départ de Nantes, petite fontaine à destination de Saint-Omer. Transpondeur 7000, QNH 1011. Fox EcoFox, la piste 6100, transpondeur, et je confirme 1011, le QNH de Merville. 6100, 1011 pour le QNH. Ouais, ouais, il y avait des grandes zones industrielles, je ne sais pas ce que c'était, mais ça correspond. Hein. Donc ça sera une route à 0,81, 2300 pieds, donc on y est déjà. Ouais, c'est bon, là tu peux rester là devant nous, là, c'est ça. X-ray Oscar, go ahead. X-ray Oscar, Coast and Bad, in activity overhead mode, Lima Fox, Quebec, Juliet. Roger, for the activity, we go on the east on the... What's that? Fox 7-8, 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 Donc voilà, on a la ville, on fait le contournement, on reste au sud. Peut-être 20 quelque chose, une trouée pour le terrain là-bas.
orientée au nord-nord-est. On a une route au 10, on va prendre 70 degrés à droite, c'est normal. Donc c'est pas très tardi, on va avoir un départ commercial sur l'île, si c'est possible de reprendre la montée. Alors voilà, tu vas pouvoir commencer à obliquer sur la droite. Je suis en train de remettre le cap sur le terrain là, pas cher. Oui, merci beaucoup. Il a peu du Fox Fox Fox, bonjour. Fox Papa Sierra, bonjour. On est à 3 minutes. Ah pardon, Fox Fox Sierra, okay, de vos éléments, ouais. Rappelez en approchant de la CTR de Lille. Non, je rappelle la CTR de Lille, Fox Fox Fox. Donc voilà, ça c'est les zones que j'avais repérées là, donc on est bien au bon endroit. Et après on suit et on va à droite. De toute façon on va pas sur le terrain donc on s'en fout. Hein. Je repère la voie de chemin de fer. On a vu là, c'est que... Donc on n'est pas loin de franchir la frontière. Hein. Ah. Et info Fox Romeo Lima à 2 minutes de Valenciennes à 1650 QNH, je demande pour quitter la fréquence. Ok, Romeo Lima, vous pouvez quitter la fréquence, transpondeur 7000, au revoir. Transpondeur 7000, je quitte la fréquence, merci beaucoup. Fox Romeo Lima. Pareil pour nous. Et info Fox Hotel Juliette, on a exercé de plein côté. Votre Hotel Juliette, merci pour l'info. On est là, grande route, c'est bon. Donc on peut lui demander à passer à contact avec Bruxelles. Et là, la ville, là, je vais vite... Ouais, c'est bon, alors on est quasiment... Je laisse sur la gauche. Alors sur la droite, non, non, on reste comme ça, on continue à tourner. On a le terrain là-bas. Ça doit être le terrain, ça. Ouais, ouais, c'est bon, je vois le seuil de piste. Mais je vois le piste. Ok, bah tu peux lui demander de passer avec Bruxelles. Léo, Golf Tango, Papa, Whiskey X-Ray. Whiskey X-Ray, bonjour. Ah, Johan. Oui. Bonjour, Delta Papa Whiskey X-Ray, the VFR flight from the north to Calais, 1400 feet, request a traffic service. What is Delta Whiskey X-Ray, Fox 6100, QNH 1011. 6100, Golf Whiskey X-Ray. Still information from X-Ray Oscar. QNH 1011. 1011, Golf Whiskey X-Ray. Correct, Whiskey X-Ray and Cotton, there's gliders activity around the Lima Fox Quebec Oscar. Roger, we'll avoid that, Golf Whiskey X-Ray. Allez, l'info from X-Ray, you have to leave your frequency in contact with the info. X-Ray Oscar, what contact with information? 126 decimal 9 and score 7000, bye-bye. Squawking 7000 and we contact the bus, Brussels Info 126-9-9 X-Ray Oscar. Voilà, on franchit la frontière là. Non. Brussels Information from Fox Golf Mike X-Ray Oscar, good morning. Non, dans 30 secondes. Foxtrot Golf Mike X-Ray Oscar. Regional QNH in Belgium, FAR 1009, Squawk 2000, Paratrop in Namur. Thank you for Fox Golf Mike X-Ray Oscar, squawking 7000 and 1009 on the QNH destination Namur. Squawk 2000. Squawking 2000 X-Ray Oscar, thank you sir. Brussels Information, Oscar Oscar, Juliette et Cotton, go hello. On est en Belgique. On est en Belgique, c'est officiel. Juliette et Cotton, go. Oscar Oscar, Juliette et Cotton, go, PA 28, 3 personnes on board from Namur to Namur, flying south, along the Meuse, request flight information and activity in Florence. Florence, close, it's weekend, regional QNH 1009 and squawk 2000. Squawk 2000, QNH 1009 and Florence, close, thank you, Oscar, Juliette et Cotton. Ok, donc on reste 2300 pieds, on est bien. Ça c'est la CTR de Florence qu'on a ici, ça c'est la CTR de Charleroi.
Donc on restera sur le trait, ça sera bon. Enfin, en dessous même. Alors, il serait qu'on nage en Sierra maintenant. Ben voilà, bonjour la Belgique. Je vais prendre, tu peux me donner mon... dans la première page, là, la VAC. S'il te plaît. Ah ben c'est bon, non, c'est bon. Ben, je vais la prendre quand même. Donc, il est 45. Donc on est à une distance de 26 nautiques pour entrer nord, c'est-à-dire à 57. Bon. Ah, c'est surtout c'est pour le circuit de piste que tu as visé. Intégration et monte arrière. Ouais. Alors, je vais te mettre la fréquence de... 118.005. Ouais. 118.005. Voilà. Vitesse sol, hein. Ah oui. On est à 5 minutes 30 de Request liquid to change to upper radio and recycle to 7000. Copy to back. Thank you. Bah, vu comme ça, la différence, pas top, hein, pas de différence. Donc là, on s'approche de Charleroi, on va arriver sur la partie sud. Et encore assez loin devant. Ah ok, j'ai plus de réseau là. Donc reste à gauche quand même. Donc Sierra est là. Non, on ne pourra pas rentrer sur la Sierra, je laisse un peu sur l'entraînement. Le reste sud de Sierra. Sierra, c'est la limite de... Ouais, ouais. Mais si on est à 2000 pieds, on est bon. Parce que la CTR, elle est à... Ah, la TMA, elle est à 2005. Ça, c'est le... Et on est à peu près à 2 nautiques au sud de la CTR, donc on a de la marche. Non, on est juste en dessous de Floride, là. En fait, tu vois, regarde. Là c'est la CTR de Sierra de Floride qui est là. Là on arrive sur Sierra devant nous. On est à 4000 de North. Ok. Là c'est Sierra là. Là on est Sierra et on a le Charleroi à gauche.
Donc tu restes sur du 081. Merci. Voilà, 081. 080. Alors 080 sinon on passe dans la CTR. 080. Voilà. Et la trace exactement là ici. Hôtel, hôtel, Papa Kilo, good day. Vas-y, 20 degrés, ça sera bon. Delta Echo, Lima Whiskey, Whiskey, Frequency Change. On est à 3 minutes là. Papa Whiskey, Whiskey, copy the back. Non, on est vertical Sierra et on est à 6 minutes de... Ouais, mais il faut pas qu'on fasse la direct, sinon c'est terre. Dans 3 minutes. À droite, Johan, 20 degrés à droite. 080. Sinon, tu loupes le point tournant. 2 minutes. C'est bon, quand on voit les éoliennes, on s'approche du point tournant. T'as trouvé? Bah c'est bon. Okay. Voilà, North Entry. Tu vois le lac qui est là, c'est peut-être pas celui-là. Ouais, une minute, ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça, il est de forme très allongée. Voilà. Donc la dernière route, ça sera du 018 pour 8 nautiques. Ok. Donc on y passe, il est 54. Ah, je l'avais repéré. Ok, c'est bon. Donc 018. T'as plus qu'à trouver le terrain maintenant. Donc à partir de maintenant, c'est 2000 pieds max. Allez, vas-y, viens. Avec le terrain on est à 3 minutes. Je prends le cap avant. Ouais, ça fait un petit moment là. Donc c'est bon, on tourne largement la CTR, c'est bien.
Ok. 2 minutes 50 pour les contacter. Abrasal information from X-ray Oscar to leave your frequency please and contact number. Fox Central from Mike X-ray Oscar frequency change to boost connect. We change frequency and working 7000 X-ray Oscar, correct? That's correct, thank you. Thank you, Mike. Abrasal information from... Bon bien le transpondeur? 5000 c'est bon. Bon, bah, il n'y a plus qu'à trouver le terrain maintenant. Number from Fox Golf Mike X-ray Oscar, good morning. Station calling number, good morning, say again, call sign. Fox Golf Mike X-ray Oscar, Robin, DR400 from Lonnie, Paris, to your airfield, your airfield estimation in 2 minutes for a full stop. Fox Golf Mike X-ray Oscar, Roger, right hand circuit, second eye, 2-4 left in use, and connection number 1011. Right hand, correct, November, Oscar Oscar? Correct, circuit main droite, right hand circuit. Right and right hand circuit and runway 24 in use, X-ray Oscar. Piste 24 gauche, runway 24 left. 24 gauche, X-ray Oscar. 1-1, 1011. 1011, c'est on a Namur sur la droite, le terrain il doit être quelque part devant nous à droite. Je cherche quelque chose, là un candidat potentiel. On a la ville de Ah oui, j'en directly downwind leg X-ray Oscar. Vous pouvez répéter? On s'intègre directement en vent arrière à X-ray Oscar. Vous venez par le sud, eh bien vous arrivez 2000 pieds par le sud et une fois que vous avez passé la verticale, vous pouvez joindre le vent arrière main droite en descendant en dessous de 2000 pieds. L'altitude du circuit est 1600 pieds que nage. Reçu, donc dans un premier temps, verticale 2000 pieds, X-ray Oscar, c'est correct? C'est correct, monsieur. Merci. Pas d'activité para, donc pas de problème pour la verticale. C'est ça le terrain? C'est ça le terrain, ouais. Fox Golf and then Golf Zulu, in front of the hangar. The loop for Paramilk. Roger 1011 for the Kinect, 2 for left. For left, 1011. Okay. Donc on va aller rejoindre les éléments à gauche. À gauche, là-bas, l'avant arrière. 330. Quand t'es à la verticale, tu prends à 330. Vertical terrain, 2000 pieds, il serait aussi. Donc ça, c'est le point d'aboutissement pour tout à l'heure, là. Ouais. Ok, donc tu peux descendre 1600 là, très gentiment. Ok, c'est ma guide vers début vent arrière. Tout à l'heure là. Du coup, Oscar, début de vent arrière, il est là. Répète par X-ray Oscar. Voilà. Hop là. Il faut virer et intégrer l'avant arrière là. Ça débarque. Nicolas. Voilà, tu mets le rond-point qu'il y a sur toi devant là, à ta gauche. Et 1700, c'est bien. Le terrain il est là-bas, voilà. Je laisse l'autoroute sur la gauche. Le rond-point qu'il y a, tu le mets sur, juste sur ta gauche. Oui. Et là, je suis encore en vent arrière. Ouais, là on est en vent arrière. Donc tu veux t'intégrer, enfin tu peux mettre les volets, tout ça. Et le 600, on est bon, voilà. Ok. Le village qu'il a, on le déborde et ensuite on part au sud. Là. Prendre les pompons, les volets, ça préchauffe, ouais. Nickel. Voilà. Ça va à peu près 0,6 pour... Après ça sera 24. Donc là on est en Boudel, on... En Boudel on a le... Le point qu'il faut viser pour la finale. Bon. Ok, tu continues tout droit, encore 20 secondes.
passe le village qui est en dessous. On monte arrière novembre extrait Oscar pour un complet sur la 24. Non, maintenant. Maintenant je prends Cap Sud. Prends le sud. Cap Sud. Nanneur de X-ray Oscar, je tourne en étape de base pour en main droite pour la 24. L'autoroute là-bas. C'est ton point de début de finale, l'autoroute. Un peu, faut éviter les voilà. En fait, tu peux descendre. Okay. Non, descend, descend. Copy, flag for the runway 24, X-ray Oscar. Voilà, bien 300 pieds là. Ouais. Voilà. T'insiste droite ou gauche? Droite, gauche. Fox Golf Zulu is landing up, taking off with the right hand. À gauche? Voilà, gauche, tu descends. Encore 100 pieds, là on est un peu haut là. Bon, l'avion qui est au départ là. Oscar India Mike, face 2 for left. L'autre qui est partout pour le hélico Oscar India Mike. C'est là. Bon, c'est bon, c'est bon. Another in final for landing runway 24 left. Right, correct. Left. Left, 24 left. Oui, je confirme la piste gauche. Hein. Piste gauche sur la 2, oui. C'est bon, allez. Ok. Oscar India Mike, turning final 24 left. C'est partout. À gauche. Ah oui. Ah Johan, bien. On prend le bout de piste, hein, de toute façon, on t'embête pas. Bien joué. Ouais, ouais. Bah. Fox X-ray Oscar, vous restez combien de temps, Namur? 2 heures, on va manger sur le, au restaurant sur le terrain. Ouais, voilà, en ce cas, continuez à gauche maintenant. Première à gauche. On peut passer par la pompe en premier temps, s'il vous plaît. Justement, si vous prenez maintenant à gauche, là, vous arrivez à la pompe. Ah, parfait, merci. La pompe à gaz est la seconde pompe à votre droite. Donc, vous pouvez directement aller à la pompe. Et après, on mettra l'avion au taxi qui se trouve à côté de la pompe, devant le hangar avec les portes bleues, là, à votre droite, à vos 3 heures. Parfait, donc on va s'arrêter à la pompe, on quitte la fréquence ici, on va tirer l'avion, ça vous convient? C'est ça, vous le mettez sur le tarmac, après l'autre côté de l'herbe là, sous le bord, ça vous gêne personne. Ok, merci. Il y a Florian qui est là, je pense. Voilà. Bon. Bon. À la pompe et on quitte la fréquence, il ferait au ferme. Caméra. On va faire une petite synchro globale. 3, 2, 1. Voilà. Bon, c'était bien, Johan? Très bien. Ouf, j'ai chaud. Ouais. Ah, ben oui, c'est un peu chaud déjà. Ouais. Allez, on coupe chaud, tout. Le météo visite pas top top. Et nouveau terrain, nouveau pays, ouais. Anglais. Ah, c'est l'anglais, je pense qu'il doit te perturber. L'anglais aussi perturbe. Oui, il m'a aidé à la fin là. Passer en, elle est passée en français. En ouais. Français, il a compris que j'ai gagné. Donc. Mais Bruxelles Info, je pense qu'ils vont pas très aimer la France. Ah, Bruxelles Info, par défaut, ils doivent être en anglais, ouais. Je pense. Bon, allez, on arrête toutes les caméras.